إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنزفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pas besoin de crier, il ne faut pas faire rien, mais pas crier. Correct, je correct aujourd'hui? Oui. Fit? Oui. Ah, il est bien bon, machallah. Qui vous a dit? Vous avez dit Aziz, oui? Qui vous a dit? Oui, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, pour aujourd'hui, nous, dans nos premières leçons, nous allons apprendre concernant le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fins, choisirait pour envoyer pour nous. C'est pour tout, ban PSL. Qu'est-ce qu'on a quand même dit à moi? Rends du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète premier, second, avant-dernier, dernier, qui était? Le premier prophète, eh? Dernier prophète, hein? Le dernier prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit envoyer l'eau la terre. Comme un prophète à peu près Allah fit envoyer l'eau la terre. Environ 124 000 prophètes, mashallah. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ifin vini, c'était lui-même, bon, nous dire, dernier prophète, et, mais seulement, le dernier prophète, mais il plie, non, pas jeune, les plus meilleurs, hein, plus meilleurs, plus grands prophètes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus grands prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Correct? Vous avez dit bien, hein? Sallallahu. Comment dire? Sallallahu. Ou alayhi wa sallam, hein? Ça nous a prononcé bien, nous a dit bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui côté les finné? Quel endroit? Dans Makkah. Très bien. Est-ce qu'ils se connaissent à peu près avant dernier prophète? Qui prophète tu veux dire? Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, c'est lui avant-dernier prophète. Mais qui, après combien de temps, après Isa alayhi salam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin vinili? Ça on connaît après combien de temps? Ayyum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Après combien de temps? Après 10 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans, après 100 ans. Non, trop petit. 300 en coût de guide. 500, un petit peu près. 600. Après, à peu près, nous dire, hein, après 600 ans, qui, Isa alayhi salam, qui t'arrive lui? Non, il n'est pas si beau, lui. Allah t'y enlève. Tout à l'heure, nous proposons à Isa alayhi salam. C'est-à-dire, quand il t'est enlevé, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'y élève l'eau, les ciels, c'est-à-dire, après à peu près 600 ans, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait une connaissance dans Makkah. Dans Makkah, hein, après à peu près 600 ans, il fait une prenaissance dans Makkah. Bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur famille, c'est la famille, comment tu appelles? Comment l'as-tu connu?
Banu Hashim. Yeah. Le prophète, sa famille, est connu comme Banu Hashim, c'est-à-dire une tribu. Hein? Une tribu, c'est-à-dire, pareil comme je vous dis maintenant, par exemple, c'est où on appelle Boudon, la famille Boudon, la famille Timol, la famille Jaou, la famille Rajak, Massoud. Alors, ça, c'est une famille. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide la famille de Banu Hashim. C'est pareil comment nous dire, par exemple, dans la famille Kam Saïb et dans la famille, comment appeler, Hansai. Hein? C'est des familles, mais c'est moi, je te joigne. C'est quand je te joigne là-haut, bon, il y a des différents, mais nous dire, il y a des familles, mais c'est moi, je te joigne là-haut. Quand je te joigne là-haut, un a appelé tel nom, l'autre a appelé tel nom, mais les vignes, comment dire, il y a une seule famille, les vignes. Alors, ça nous appelle une tribu. Donc, une tribu, c'est qui est là? C'est le prophète, donc, qui tribu lui était? Tribu de Quraysh. Tribu de Quraysh. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si nous continuons, ce dada, ce papa, ce dada, ce dada, ce dada, nous continuons tout ça là, nous écoute, qui ça là, nous va l'arrêter? Avec le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Hein? Par, à travers qui garçon? Ismaïl. À travers le garçon, Ismaïl alayhi salam. C'est hein? Le prophète sallallahu alayhi wa salam, son grand dada, c'était Ismaïl alayhi salam et Ibrahim alayhi salam après. Gourmand, hein? Gourmand jusqu'à présent? Oui. Je tourne Gourmand? Oui. Allez, right. Maintenant, nous, cause concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce papa. Qui s'en a connu ce papa, comment t'appeler? Ce papa s'appelle? Abdullah. Abdullah Ibn Abdel Muttalib. Abdullah ibn Abdel Muttalib. Ça, ce papa. Mais Abdel Muttalib, là, que ça n'a pas. Ce dada. C'est le prophète. Le prophète, ce nom qui c'était. C'était Mohammed ibn Abdullah ibn Abdel Muttalib. Hein? C'est le prophète. C'est ce nom qui était. C'est ce nom. Après ça, il a ce papa, ce nom. Après ça, il y a ce dada, ce nom. Allez, right. Nous faisons un petit exercice, un petit devoir là. Écoute-moi. Nous faisons un petit devoir. Si nous avons envie de mettre nos noms, pareil comment le prophète, ce nom t'y était. Hein? Alors, comment ou non pour être? Allez, oui, c'est bon? Ou non, c'est-à-dire, où appelle? Ibrahim. Ibrahim ibn. Ibn Kisana Salim ou papa Salim, c'est Ibrahim ibn Salim ibn Udada. Ouais, Udada pas connu ce nom, bien pourtant ce connu ce dada ce nom. Allez, nous y guettons une lutte là, nous guettons une lutte. Shayman ibn Abdullah ibn Dada ce nom. Hussein. Dada s'appelle Hussein. Ibn Hussein. Au revoir. Allez, un autre. Qui s'en a pour dire moi? Allez. Mirza. Comment appelez? Non, où comment appelez? Ayan Ibn. Ou papa, comment appelez? Ayan Ibn Samir Ibn Khalid. Au revoir. C'est-à-dire, ce nom-là, il y a un nom, il y a un papa ce nom, il y a un dada ce nom. Allez, right. Allez, Abrar, Ibn Afzal, Ibn Moussa, bien bon, alhamdulillah. Michali. Vous pas connu dada ce nom. Hein? Dès qu'on appelle dada. Hein? Vous êtes demandé, vous êtes connu cette famille. Hein? Sur le début bonheur, Ridouane début bonheur, puis on vise. Allez, Ridouane. Ridouane ibn Iyad ibn Mahmoud. Hein? Correct?
Allez, moi, nous sommes des voix. Nous sommes des voix. Quand je suis à la case, je décris je suis non, Ibin. Je suis papa, Ibin. Je suis dada, Ibin. Je suis papa, je suis dada. Non, mais je vous ai demandé. Je vous ai demandé, je suis papa. Je vous demandé, je suis papa, je suis dada, comment ça s'appelle? Correct? Hein? Allez. Aman. Li kode. Et comment li kode hali? En vérité, kode. Parce que dans ce nom, on finit médecin. Déjà, il est là. C'est-à-dire, si tu es là dans le passé, si, vous voyez, je te parent, tu fais Ali, même mon parent, tu fais Ali, c'est facile pour nous connaître. C'est comprends? Allez, right, je dans le route ça, je dans le route ça, là, demain, je t'amène dit, correct? Le prophète, so, maman, comment t'appeler? Amina. C'est normalement arabe, dans arabe, dans ourdou, nous pas dire Amina, nous dire Amna. Hein? Amna, c'est nom de du prophète, so maman. Ce daddy, comment s'appelle? Ce daddy? Fatima bint Am. Oh, disons, on finit là-haut. Allez, correct, 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 correct. Bon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit prend naissance l'année de. Oui, ma canne finit d'y être allée là-haut. Pas l'eau, ça. Pas l'eau, l'écran. Allez, l'année éléphant. Qui s'en a connu qui fait, tu appelles ça l'année éléphant? Ben, éléphant, tu viens grâce qu'à Abba pas aux même ça? Hein? C'est là un les rois. Qu'est-ce qu'ils sont aussi? Yémen. Un les rois qui sont depuis Yémen. Comment ils s'appellent les rois là? Abraha. Hein? Tu appelles Abraha. Qui fait, tu as envie grâce qu'à Abba lui? Parce qu'il y arrange un grand monastère, c'est un arrange un grand place. Il a envie que tout le monde vienne faire, Hajj là-bas. Je dis envie que tout le monde vienne faire, Hajj là-bas. Mais seulement, moi nous connais Hajj, c'est Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam quand j'arrange Kaaba, c'est tout le monde que je peux venir à Mecca pour faire Hajj. Alors si tu as envie, je tout vienne là-bas. Mais il peut trouver, malgré qu'il finit à ranger, malgré qu'il finit à faire tout, personne ne va pas venir. Alors, ce qu'il fait, il dit, laisse-moi grâce à Kaaba. Quand il sort pour grâce à Kaaba, il vient bien prêt. Il vient bien prêt avec Makka. Mais qui est arrivé à ce moment-là? Ben courage avant, tout. Ben là, je finis un pire. Parce qu'il fait ceci un pire. Non? Ah, les vents, tant que les vents crasés, ils vont venir crasés. Qui fait un pays? Parce que dans l'Arabie, que Dieu tu peux rester dans Makka, Patina et éléphant. Jamais je ne trouve éléphant. À ce que je peux comprendre que éléphant peut venir pour crasa. Alors, je ne sais pas comment je peux faire. Je ne sais pas comment je peux manier avec éléphant. Alors, à cause de la raison là qui est arrivée, hein, je n'ai un pays et je trouvais qu'il est difficile pour qu'il arrête ban éléphant. Ban là qui ne fait à ce moment-là. Je ne fais droit avec. Comme idole, tu es là, ça. C'est surtout de Kaaba, tu es à peu près 360 idoles. Tu es encore beaucoup d'idoles encore. Mais seulement 360 idoles. À peu près 360 idoles. Alors, maintenant qu'il est arrivé, je n'ai pas fini de jouer avec, je n'ai pas fini de démon avec ce man idole pour protéger le Kaaba. Mais seulement, qu'est-ce que je fais? Je lève la main, je fais un doigt avec Allah. Et je dis Allah, protège, hein?
il dit Allah protège al Kaaba et Allah subhanahu wa ta'ala li fin envoie ban zoazo comme rosse avec ça zoazo de non quoi que non hein c'est il y a trois rosses que trois rosses ça c'est des deux autres de la patte et deux autres de la bec. Hein? Mais un oiseau, qui a été rose? Est-ce qu'il y a un gros rose, soit dire pour l'orgue, pour tomber? Qui a été rose, c'est un petit rose, un petit caillou. À ça, quand l'orgue est un petit rose depuis là-haut, hein? Il y a beaucoup de mal. Quand l'orgue, ou soit quand lancé, qui a plus de mal. Quand lancé, qui a plus beaucoup de mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il finit de se faire, ça va un oiseau, il finit lance. Nek fin pas lancé, c'est une logue. Mais qui n'arrive ça maintenant, c'est aux ans. Ban éléphant, jeune yampé, ban éléphant finisse, alors mais là fin crasé complètement. Et Abraha, il fin retourne à. Il me dit, retourne à Yémen. Quand il retourne là-bas, là, il fin mort. Alors, ça événement-là, quand j'arrive ça événement-là, l'année qui le prophète fin né, c'est l'année qui le prophète fin né, tu arrives à ça événement là, alors banna tu appelles ça l'année éléphant. Hein? En arabe on appelle amul fil, on appelle amul fil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam date qui fait mention, qui plie proche qui le prophète fin né, c'est qui date? Le 8-9, ça c'est date, c'est qui plus proche, plus authentique. Hein? Mais ce qui est plus connu, ce qui m'a dit, c'est plus, c'est les 12. Est-ce que les 12, Rabiul Awwal, le prophète finit à nous faire sur l'anniversaire? Hein? Est-ce qu'il nous peut faire nous-mêmes nous l'anniversaire? Nous? Hein? Est-ce qu'il nous peut faire nous l'anniversaire? Non. Qui s'en a qui fait l'anniversaire? Ban kafir, hein? Nous disons ban kafir en général. Hein? Mais est-ce que nous devons faire comme un kafir fait? Et il y a un gars, je ne peux pas dire, Ashab, n'est-ce que nous sommes en 6? Il y a un bon livre, il y a un bon livre. Venez. Mais si pour nous, nous pas gagnons droit, nous pas gagnons droit faire l'anniversaire. Pour le prophète, nous gagnons droit faire l'anniversaire. Nous allons faire l'anniversaire pour le prophète. Hein? Il n'est pas correct du tout qu'il nous fait l'anniversaire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fini, ce papa est fini. Ce papa est fini. C'est quand le prophète finit. Est-ce qu'il y trouve ce papa? Est-ce qu'il y connaît ce papa? Non. Un enfant, quand il naît, ou soit même un enfant, l'ipanko arrive un grand enfant. C'est-à-dire l'ipanko arrive l'âge puberté. Ce papa mort, nous appelons un yatim. Un yatim, c'est un orphelin. Mais à ce si un enfant, ce maman fin mort. Il y a encore 4 ans, 5 ans. Ce maman fin mort. Est-ce qu'il y a un orphelin? Non. Dans l'islam, dans la loi de l'islam, un enfant, s'il perd de ce papa, qui est encore petit, nous appelons l'orphelin. Mais s'il perd de ce maman, nous ne pas appelons l'orphelin. Nous ne pas appelons l'orphelin d'après la loi l'islam. Vous comprenez? Mais le prophète dit, quand il finit, ce papa, tu finis mort. Ça, à l'époque-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prendre naissance, banna arabe, quand jeunes enfants qui veulent prendre naissance, je suis bien voué ça mène ces enfants-là dans des airs. Qui fait bien voué je dans des airs? Dans des airs, c'est qui nous est là dans des airs? Dans des airs, comment nous connaît? Puis il y a beaucoup de monde qui viennent là-bas. Hein? Puis il y a beaucoup de monde qui viennent là-bas. Tandis que dans la ville de Makka, c'était une ville qui ban commerçant, ban du monde qui peut venir pour Hajj, d'autres qui peut venir. Hein, pour plusieurs ban événements, c'est là ban du monde qui peut venir. Mais ban du monde, c'est qui je ne connais pas cause arabe. Je sais cause arabe.
Est-ce qu'ils ont causé un bon arabe? Ah, ben, mes enfants, s'ils apprennent ça en arabe là, est-ce qu'ils ont appris un arabe c'est qui pur? Non. Alors, ben arabe, ben habitants de Mecca, je suis habitué à avoir des enfants dans ben village, dans désert, pour qui ça mes enfants là, je apprends arabe, langage arabe des petits, s'ils apprennent un bon langage arabe c'est qui pur. De la même façon, pour qui je consulte là-bas, je vivre dans un environnement c'est qui plie. Plus pur, par exemple, un hein, jumeau les respectueux dort pour lui, c'est pas que pipe côté n'a beaucoup bis à l'évidé. Mais si ou la case près avec grande route, c'est pas avec autoroute, hein, qui nous vous respirez beaucoup? Carbon dioxyde, c'est qui saute d'aban? La fumée, le tout soit là, ou soit en aban, comment appelle ça, en aban, ban l'usine, soit là, nous affecter. Mais tandis qu'un du monde qui lit, il reste un endroit, par exemple, dans un village, côté de la montagne, côté de beaucoup de pieds, beaucoup d'arbres. Hein? Est-ce qu'il y a là-bas du bougain carbone dioxyde? Là-bas, qui est le bougain? Là-bas, du bougain l'oxygène, du bougain, l'air pur, l'air frais. Hein? Après ça, ben manger qui est le bougain là-bas? Ben manger là, c'est ben manger, c'est qui? C'est qui frais? Hein? Organique, Ridwan Bézia. C'est un bon, bon manger. Mais tandis que dans la ville qui arrivait, dans la ville, pas gagne un bon. Hein? Dans la ville, manger là, saute là-bas, il saute dans le village des vignes, mais seulement quand le tout traversé, pollution avec les autres banquets de choses, ça, légumes là, ça va en frit là, il n'est plus pareil, comment? L'itié était dans. Dans village, dans carreau, dans, comment appeler, dans désert, dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour qui mes enfants? Je vis de mes enfants, c'est qui solide. Je vis de mes enfants qui mangent, mes beaux manger. Je connais arabien et aussi, un qui trouve, quand il y a COVID, qui fait un lockdown partout? Pour malade, pas propagé. Mais dans ma cas, quand il y a beaucoup de monde venu, est-ce qu'il est possible que mes gens viennent avec mes ban malade, ban infection, ban les autres qui chose? Il est possible. Alors, ce qu'on est possible, ban enfants sont capables de tomber malade. Tandis qu'ils dorment des airs, quand on voit un enfant dans des airs, qui arrive dans des airs, ban enfants, pas pour gagner, infection, pas pour gagner, ça ban malade là. Après, c'est pour dire, ban enfants, pas pour gagner, ça ban malade là. Alors, ça cause sa raison là. Maintenant, tu peux avoir des enfants dans des airs. Mais quand tu peux avoir des enfants dans des airs, tu peux avoir des enfants cadeaux, ça? Non. Vous avez payé, mais le prophète, son papa, infini, moro, libé dans personne, il s'est difficile. Alors, ça m'a dit, madame, qui tu peux prendre des enfants là, maintenant, pas tu peux venir prendre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait? À cause du pays, non, papa, mais qui s'en a pour payer? Puis, je reprends. C'est une madame, c'est qui appelle Halima. Halima, lui, dernier, quand il n'est pas fini de payer personne. Il n'est pas fini de payer personne, il n'y a aucun enfant. Parce qu'il lit aussi, lui aussi qui est arrivé, lui aussi, il partit sa quantité riche là. Et lui-même, ses enfants, il n'est pas capable d'aller de ses enfants bien. Il n'est pas tenu dans ses idées pour donner ça. Ses propres enfants. Alors, ban arabe, ban a dit, si lui, il n'y a pas de capable de donner ses enfants, dis-le. Est-ce qu'il peut donner nos enfants, dis-le? Ben, il n'y a pas de donner aucun. Aucun enfant. Dernier, il dit, ben, dans la place qui moi, tout seul, moi, aller payer nos enfants, à cause de ça, il prend le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec lui, il aller. Mais seulement quand il peut aller. Quand il vient, l'eau, une monture. Une monture, c'est que tu peux aller doucement, doucement. Mais quand il prend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il monte sur monture, sur chameau, c'est pas sur cheval, c'est pas sur bourrique, qui n'arrive pas, il commence à vite. Au contraire, ben, il dit, ça même monture de Tchina Taliana, ben, il trouve ça Halima, il dit, c'est un miracle ça. À ce quand il a un côté, il fait une donne, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il fait gagner encore, dit pour ses enfants, et dit-le, il rester tout. Souvent, nourriture, c'est qui s'est dans la côte, c'est qui passe pour pousser, il commence à pousser tout ça là.
C'est-à-dire que c'est une indication qui Allah subhanahu wa ta'ala bienveillance sur barakat, sur bénédiction dans Halima, dans son lacage, dans son monture, dans son ban, hein, dans son ban, comment appeler, plante, qui dit planter tout sur la côte lit. Et les vins extra contents, les bien contents. Mais ban arabe, normalement, comme étant, si tu peux avoir un enfant pour rester pendant 10 ans. Tu peux avoir un enfant pour rester pendant 10 ans. À ce Halima, quand il trouve qu'il pendant 10 ans, il gagne sa quantité faveur là, il a un coup de ce maman après 10 ans. Il dit à ce maman, ben, on connaît, et si nous retournons à cet enfant-là, ici, il est pour affecter, il est pour gagner un problème, il est quand même malade, il est capable de ça. Mais laisse-le rester avec nous encore. Encore 10 ans. Laisse-le rester avec nous encore 10 ans. À ce moment, le prophète de ce maman, il dit à personne, et il dit ici, comment il vous guette, il dit ici, il paye attention. Le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit au malade, il y a un problème, il est d'accord pour laisser aller pour encore 10 ans. Alors le prophète finalement, il reste encore 10 ans l'eau désert. Mais c'est pendant ce moment-là qu'il est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il grandit, il grandit un petit peu plus vite. Grandit un peu plus vite, c'est un joli décor, un bon, la santé, tout, alhamdoulilah. Un jour, pendant qu'il est joué en dehors avec Banda, sur mon camarade, des anges viennent venir, Banda viennent mettre allongé, c'est dans le fond de Banjimon. Quand je me dis allongé, qu'est-ce que je fais? Je ouvre ce, là, ce chest. Il ouvre son chest, fin tire sur l'équerre et fin lave-li et fin retire un morceau là-dedans, un morceau qui est un bout de shaitan, ce qui a affecté. Comment les enfants fin trouvent ça? Fin galoper, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai dit avec Halima. Quand je n'ai dit avec Halima, étant Halima, puis sorti, je lui dis, écoutez qui? Ben ange. Pareil, aujourd'hui, il y en a qui docteur qui coupe ça là, coupe sa chaise, ça fait opération. Et non, qui opération fait? Opération l'équerre fait comme ça aujourd'hui. Opération l'équerre, comment un ange qui ouvre hein, sa chaise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben docteur aujourd'hui, c'est qui opère l'équerre, comme ça je te fais. Je trouve ça. À ce moment-là, il y a un pire. Les gens disent à Halima, et donc Halima sont aussi venus. Mais mon ange travaille bien, rapide. Et donc, Halima vient, il trouve ça, il trouve le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est débouté, il est normal. Mais seulement, get ça, get quelque chose, Halima qui vient faire. Et le dimon, il a fait un enfant à l'école, il est tombé, c'est pas. Un enfant vient tomber dans l'école, il vient du mal. Et il a fait un miss dans l'école qui se dit, quand parents viennent chez eux, pas dire non, yé. Et dire à son frère, pas dire tout maman non, yé. Tu es tombé. Mais Halima, qui ne fait rien? Tout de suite, il prend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait une retourne à Makkah. Quand il retourne à Makkah, là, il dit à son maman, voici telle chose qui finit arriver. Alors, il fait une retourne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Amina, son maman, il dit, ben, laisse-le rester ici même. Il continue à rester ici, dans Makka. Et là, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur mon mamou, habite à Medina. C'est la même famille qui habite à Medina. Ce maman fin prend le final Medina. Il visite sur mon famille et ensemble avec lui, dans sa voyage, Tena, ce maman amna, Tena. Ce maman, c'est une servante qui s'appelle Ummu Ayman. Comment ça s'appelle? Ummu Ayman. Alors, Ummu Ayman, je suis ensemble. Les temps, je peux retourner. Qu'il arrive à un endroit qui s'appelle Abwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce maman fin malade. Et quand ce maman fin malade, là-bas même, ce maman fin. Finbo, dans quel endroit? Non, pas de Medina. Quand il quitte Medina, il arrive à un endroit qui s'appelle
Abwa. Qui est l'endroit? Abwa. Il arrive à Abwa. Léla, Lifin Mou là-bas. Ummu Ayman, c'est avant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce moment, fin prend lit, fin retourne à Makkah. Quand fin retourne, et qui l'a ce prophète Sénat ça? 6 ans. Le prophète Sénat? 6 ans. Le prophète Sénat, 6 ans quand ce moment fin mort. Alors, c'est fin retourne à Makkah. Quand il retourne avec à Makkah, c'est le prophète n'est plus là? Papa est parti là même? L'ipinama? Maman aussi. Qui s'en prend sa responsabilité? Ce dada. Ce dada s'appelle? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib fin prend sa responsabilité et ce dada est bien content lui. Ce dada est bien content lui. Pas tout que ce dada est bien allé, tu permets? Tu permets lui. Pareil comme un autre. Hein? Quand ce dada vient d'amas, tout ça là. Ce dada vient d'amas, ce dada, quand tu vas rentrer, tout ça là, non? Hein? Mais le prophète, ce dada aussi est bien content lui. Et ce dada fin prend lui. Ce dada, tu permets lui pas tout. Mais. Après 10 ans, c'est qu'il a le prophète fin arrivé. 8 ans. Après 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dada mort. Mais ce dada, avant il mort, il appelle ce garçon qui appelle Abu Talib. C'est le prophète ce tcha-tcha. Et Abu Talib, il tient ici ce tcha-tcha, c'est-à-dire, lit avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce papa. C'était des propres frères. C'est des propres frères qui veut dire. C'est-à-dire, je tiens là, même maman, même papa. Abu Talib, il a beaucoup d'enfants. Mais Abdul Muttalib, il connaît qu'Abu Talib est un bon timon. Et lui, il pouvait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien. Il finit dire avec Abu Talib, comme au mot, tu prends la responsabilité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, quand il finit mot, Abu Talib il prend sa responsabilité. Et il prend sa responsabilité là, jusqu'à ce que le prophète arrive à l'âge de 50 ans. Il y a une baptisière, le prophète se tient à Timo, 10e année, révélation. Le prophète il gagne Wahi, c'est-à-dire quand il tient à 40 ans, avec 40 plus 10 fait ça. 50, c'est quand le prophète tient à 50. C'est-à-dire, prend depuis l'âge 8 ans jusqu'à l'âge 50 ans, Abu Talib finit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bien. Il prend les comptes. C'est quand il est petit, finit le bien. Quand il finit grand, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit grand, alors il est si pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce tcha-tcha qui misé, il appartient à ça. L'argent appartient à ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de ça même, il n'est pas fin capable, il n'est pas à l'école, à cause de même, le prophète, il n'est pas capable de lire, il n'est pas capable de écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là qu'il est fin faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met besoin de travail. C'est qui travaille, il se met faire? Berger. Un berger qui s'en a ça? Un djibon qui soigne ban, l'animal. Qui nous t'y béagé, Gode? Nous t'y béagé, ban, venez aujourd'hui? Hein? Qui s'en nous t'y béagé ici? Zakaria, bien content, soigne son animal. Hein? Il n'est pas encore venu. Un t'y béagé. Après, vous direz que ça n'a. Bon. C'est-à-dire, le prophète. C'est-à-dire, un béagé, il est un mouton. Est-ce qu'il est prophète, il est un mouton, lui? Le prophète partit dans le mouton, il dit misère. Qui s'en a ce mouton, je ne sais pas, mais il y a un qui est riche, il y a un qui tient dans ce mouton, il dit qu'il fait, il dit prends ça, il y a un mouton, il peut amener un brouté, amener un manger, il est retourné. C'est quand il finit de faire ça, il se fait gagner un argent. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tient dans 12 ans, ce tcha-tcha t'amène avec lui pour faire. Business. Pour faire business dans la Sham. Dans la Sham, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la Syrie, Palestine, Jordanie. Hein? La Sham, longtemps, la Sham, c'est ce qu'aujourd'hui la Sham est représentée par la Syrie, la Palestine, bon, ben, un bout d'Israël, comment appeler, avec Jordanie. Tout ça, c'est connu comme la Sham.
Mais c'est moi quand le prophète parlait, N1, vous voulez appeler N1? N1, c'est là. Non, qui c'est noir? Un prêtre. C'est-à-dire un prêtre d'une autre religion, c'est pas un, comment appeler, chrétien, c'est pas juif. Les temps, ils viennent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent trouver qu'il porte contre le prophète parlé, comment dire, il y a un. Non, il y a un niage, comment dire, peut protéger lui. Alors, il fait un appel sur tcha-tcha. Il dit sur tcha-tcha, qui ça n'a ça? Il dit mon neveu. Il dit, ça, garçon là, il a un signe de prophétie de lui. Ça, garçon là, il n'a pas vu un prophète. Si toi, avec lui, en la Syrie, à Cham, ben là, vous capable tuer lui. Alors, ce tcha-tcha qu'il fait, ce tcha-tcha fait un retour lui à Makkah. Le prophète fin reste comme ça même, il grandit, il est un bon garçon, il est un bon qualité, et il est content d'aider ben du monde dans la difficulté, ben du monde c'est qu'il a un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les temps, il se cause vrai, il est une personne c'est qui honnête, courage, il est bien content lui. Au contraire, il y a une année que le Kaaba, ben là, il grâce Kaaba, il réarrange Kaaba, quand il arrive là, pour prendre Hajar ou l'Aswad, pour mettre dans sa place, chacun peut dire, chaque tribu, chacun peut la guerre, chacun peut dire, moi, j'ai envie de mettre ça, moi, j'ai envie de faire ça, chacun a envie de gagner le nez. Mais, si vous avez un grand la guerre, mais quelqu'un veut dire, ben nous attendons, nous guettons. C'est lui qui vient, qui traverse pour ça la porte là avant, lui-même, lui prend la décision, lui-même, lui pour place ça, ça rousse là, Hajar al-Aswad de sa place. Je tune d'accord. Quand je peux attendre, première personne qui vient passer par sa place là, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vient passer par sa place là, quand il vient rentrer, ben là, il vient dire, il a un problème là. Le prophète, il vient dire, il va son copain prophète là. Il dit, je comprends. Et il dit, quand il prend rose là, il est tout seul, il met des. Mais le prophète, pas fait ça, qu'il vient faire. Le prophète, il dit, amène la toile. Il amène la toile. Il prend Hajar al-Aswad. Il vient poser l'eau sur la toile là. Et il dit à tout bonne tribu, tout bonne chef de bonne, sa bonne famille, c'est qui est là, le courage. Il dit à chacun, attrape ça la toile là, en une place. Hop, 4 places, 5, 6, 7, 8 places, chacun finit attraper. Quand chacun finit attraper, il dit, je te lève. Je tout, c'est qui s'en a fini lever. C'est tout chef, tout bonne chef de sa bonne famille, de sa bonne tribu là, je tout, je finis lever. Quand je tout, je finis lever, le prophète, il fait, dernièrement, il me prend lit. Là, il me place lui dans sa place. Hein, je tout courage, je suis bien content. Alors, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il pas qu'on lire, malgré qu'il pas qu'on écrire, mais il est une personne qui est très intelligent. Il est une personne très intelligent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient faire ça. Et quand il vient faire ça, maintenant, je tiens un grand respect pour lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme hier nous explique je, quand il se cause concernant Khadija radiallahu anha, il dit, Khadija radiallahu anha, tu proposes pour marier avec Khadija radiallahu anha, hier nous tu fais, non? Avant-hier, oui, avant-hier. Hier nous fais l'Aïcha radiallahu anha. C'est-à-dire Khadija radiallahu anha, tu marier avec lui. Bon, ça, ne pas vous répasser sur là, nous nous expliquer comme une cause concernant Khadija radiallahu anha. Et là, avec Khadija radiallahu anha, nous disons, le prophète, c'est non? Combien d'enfants? Avec Khadija, c'est non? Six. Des garçons, quatre filles. Ben, un garçon, comment appeler? Al-Qasim et Abdullah. Après, quatre filles. Après, Oumou Kulthoum, Ruqayya et Zainab. Ça, quatre filles. C'est-à-dire, Zainab, Ruqayya, Oumou Kulthoum et Fatima, radiallahu anha. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, tu veux faire business pour Khadija. Je vais faire business pour Khadija radiallahu anha et les parties contents, ce peuple, type ado, idole. C'est là qu'il commence à faire? Non? Avant de faire d'avoir.
Il commence à la cave de Hira. La cave de Hira qui trouve la montagne An-Nour. Il y a là, sa montagne là. Là, tu peux méditer là-bas. Là, un jour qui n'arrivait. J'ai expliqué ça aussi. Jibril, alayhi salam, fin vidi, fin zéli. Ikara, liya. Et lui, fin zéa. Vous pas qu'on liya. Ma ana biqari. Vous pas qu'on liya. Jibril, alayhi salam, fin zéli, rizéli. Lia. Et là, l'isia, ma ana biqari, une deuxième fois. Et là, Jibril, alayhi salam, fin rizéli. Et fin zéli, lia. Je n'ai pas capable. Il n'y a pas qu'on liya. Ensuite, Jibril, fin zéli. Ikara, bis. بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est à 5 ayat là fin descend, c'est l'air la même que le prophète il finit un père, il pas connaît qui vous faire, il finit galoper, il finit un coup de son madame Khadija radiallahu anha. Il nous explique c'est-à-dire lundi nous explique concernant ça. Alors nous voudrions gagner l'autre côté. Alors nous arrête pas la même pour aujourd'hui concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un moment qu'il est finvin, qu'il est finvin prophète. Ok, bon, nous arrêtons un petit moment, un petit break, après ça nous pourrions pas dans des minutes.